Bonsoir à tous, donc deuxième partie de la vidéo aujourd'hui. J'ai présenté la Game Boy Pocket. Maintenant aujourd'hui je vais vous présenter actuellement la Luzix Book Retro TV Game Console. C'est des mélanges entre des jeux de la 8 bits et quelques jeux de 16 bits. Je ne sais pas trop comment, mais ils arrivent à faire ça. Bon, on est parti. Alors, la Luzix Book Retro TV, bon, je vais appeler plutôt la Retro TV, a une manette. C'est celle-ci qui ressemble théoriquement à une Nintendo NES, mais sauf que la Nintendo NES est comme ça. Parce qu'une Nintendo NES, ça reste comme ça. Tandis que la manette que je vous présente actuellement est purement différente à celle du Nintendo NES. Sauf qu'il n'y a pas de 4 boutons, mais ni de 3 boutons du milieu de la manette. On n'a que 3. Tandis que la version Ludix. Enfin. Ah zut. Luzix Book, ah, j'arriverai pas à lire, je vous dis. J'arriverai pas à m'en souvenir. De la marque. Bref, Luzix Book a une manette avec 4 boutons. En haut, B et A pour le mode turbo. Et B et A normal. Tandis que le Select et Start sont bel et bien présents. Mais le bouton du milieu qui est menu, le bouton menu est y compris sur la console, le bouton menu. Voilà. Mais par contre, c'est typiquement différente qu'une Nintendo NES. Je n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'ils arrivent à faire une console qui ne fonctionne pas vraiment aussi géniaux, mais par contre ça fait quand même des publics pour les tout petits âges, pour les tout petits de leur âge. Bon, après c'est purement commercialisé pour les enfants et tout, donc forcément c'est la base pour, mais à la base ça a été fait à la base pour les enfants qui n'ont pas de Nintendo chez eux. Mais par contre ce que je veux en venir de cette console, théoriquement il a deux câbles, un câble RCA et un câble
à câble USB. Donc le voici, les câbles USB qui se branchent derrière la console. Donc que je vais vous montrer. Le derrière de la console, donc on a trois supports pour mettre le câble RC et RCA dedans. Ensuite, pour mettre des câbles USB, c'est celle-ci-là. C'est ce trou-là pour mettre un câble USB dedans. Après, personnellement, je trouve qu'ils ont fait moins de choses sur cette console-là. Après, on ne peut pas ni ouvrir, parce qu'il n'y a pas de jeu dedans. Et tous les 300 jeux sont dans cette console. Il y a plus de 300 jeux. Je vais vous montrer là. Il y a plus de 300 jeux sur cette console. Sur cette console, il y a 300 jeux. 300 jeux en tout. Je ne déconne pas, il y a bel et bien 300 jeux sur cette console. Mais comment voulez-vous qu'avec un câble HD, enfin un câble RCA, lire sur un téléviseur de dernier cri enfin je veux dire à cette année-là, parce que les câbles RCA sont destinés pour les vieilles et de la vieille génération. Et maintenant qu'on n'est plus à cette génération, on est en plein câble HDMI. Donc des câbles HDMI de nouvelle génération. Mais pourquoi avoir fait ça aujourd'hui? Enfin, je veux dire, est-ce que l'Xbox a vraiment voulu mettre ce concept à la lettre pour que les consommateurs puissent consommer cette console? Et en plus de cela, non seulement il coûte moins cher, il coûte à peu près 30 euros, moi je dis pour 30 euros le truc, et non seulement sur les sites il coûte près de 20 et 40 euros. C'est fou ça. 40 euros ça pèse cette console? Encore 30 euros je peux comprendre, mais alors 40 euros, ça va pas là, ça va pas. 40 euros pour cette console, c'est moyen. Bon après bref, on a quand même... Quand même, j'ai oublié de vous dire à propos de la manette qu'il y a un câble USB pour mettre la console dedans. Voilà, pour mettre un câble pour connecter votre manette à la console. C'est tout. Bon, ensuite je vais vous montrer un peu la jaquette. Voilà. Donc ils ont juste pris un carton pour mettre dedans. Bon, après en général les boîtes sont plus du carton, donc que ça soit pour les manettes, pour les jeux de NES, enfin pour les jeux de console NES ou encore Super NES, Mega Drive, bon bref, j'en passe. Après personnellement, la jaquette est plutôt bien. Donc quand même, bon, quand je regarde un peu ces jeux, là, personnellement, lui là me fait penser à un jeu que je connais parfaitement et qu'ils ont repris d'une licence, alors que ils ont d'un personnage d'une licence que eux-mêmes ils n'ont pas le droit de le faire. C'est un peu fou, mais bon. Après, je m'attendais même pas à ça. Par contre, le jeu de moto là, ça me rappelle catégoriquement Super Hang-On sur Mega Drive. Hein. Ensuite, bon, on a un peu de jeux comme par exemple Soccer, bon, qui n'est pas typiquement la même chose que cette licence. Mais bon, après, les jeux de foot ne reprennent que différentes licences, que ce soit FIFA ou encore Power Evolution Soccer, ou j'en passe, bref. Ou Adidas Power Soccer. Mais qui n'est pas vraiment la licence Adidas, mais plutôt Adidas Power Soccer. Bon, bref. Ensuite, on a quelques jeux. Bon, après, je vais quand même vous le montrer en vrai. Bon, il y a quelques jeux de sport, de réflexion, d'action. Bon, je vais vous montrer tout ça une fois que j'aurai branché tout sur la télé. Voilà. Bon, après, je vous ai un peu montré tout sur cette console. Après, je vais brancher directement la console sur la télé. Et on se retrouvera tout de suite dans quelques minutes.
Allez, à dans quelques minutes. Excusez-moi pour cette coupure. Donc il y a ma caméra qui a dû se mettre en veille à tout moment. Je ne sais pas pourquoi. Spontanément. Bon bref. Comme je vous ai dit, il y a des jeux ultra bizarres que je m'attendais même pas à voir dans ce type de mini-jeu de cette console. Donc bon après personnellement, il y a beaucoup de jeux qui Il y a beaucoup de jeux sympathiques et d'autres moyennement, donc que je trouve pas super. Donc il y a quelques jeux qui ont été repris d'une licence et d'autres qui ont été faits par par quelques développeurs, mais de chez Luzik Book, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, après, de toute façon, je connais pas très bien cette console, donc je peux pas avoir quelques anecdotes. Donc après, c'est quand même un jeu que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, donc depuis 2 ans, et je me suis dit que j'ai pas beaucoup de nostalgique avec certains jeux. Bon, après, j'ai quelques nostalgiques pour Balloon Fight, qui est un jeu qui a été fait par Nintendo. Mais après, ça a été repris ça a été repris. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça a été repris dès que j'ai joué à ce jeu. Attendez, je vais vous le trouver. Si je m'en souviens de ce jeu. Non, pas celui-ci. Vais-je le trouver? Vais-je le trouver? Oui ou non? Putain, il y en a mais des centaines. Comment tu veux y... Tu veux y chercher? Tiens, alors, il y a un jeu de moto qui s'appelle Motors Rally, qui reprenne un peu typiquement à un jeu d'arcade qui était sorti en 88 par Sega, qui a été fait par Yu Suzuki, qui s'appelait Super Hang-On, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de moto sur Mega Drive. Même s'il est archaïque, non seulement il est archaïque, mais non seulement c'est un très bon jeu. Un très bon jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de billard, enfin beaucoup de jeux de billard sur ce jeu, mine de rien. Je trouve qu'il a un peu plus de. Bon, après, j'ai vu deux ou trois jeux de billard sur ce jeu, mais bon, après, j'avoue que j'avais pas un très bon souvenir de ce jeu-là. Donc, j'ai loin d'anecdotes sur ce type de jeu. Il y a VR Racing, donc, ouais, bon, il y a encore un jeu de moto qui est là. Ah, c'est celui-ci, c'est Zero Gravity. D'accord. Voilà, c'est celui-ci qui a été repris par. Voilà, donc typiquement identique que Balloon Fight. Je vous assure que c'est typiquement identique que Balloon Fight. Donc voilà. C'est un jeu qui a été repris par Balloon Fight, mais le jeu s'appelait Zero Gravity. Alors, il y a premier joueur, Sien Driftage, je connais pas ça, Driftage. Allez, on y va. Voilà, la musique reprend parfaitement le jeu. Le jeu reprend parfaitement la version originale sortie sur NES. Par contre, c'est typiquement la même chose. Mais la même chose, hein. Ah, je préfère celui sur NES, mais tandis qu'on a un personnage avec 3 ballons et un autre, cette version-là. Ah, ben voilà. Et la musique du Game Over reprend parfaitement le jeu, reprend parfaitement la version originale qui était sortie sur NES. Hein.
Donc là, je ne déconne pas, c'est vraiment le jeu qui était repris, qui a été, ce jeu a été repris par Balan Fight. Hein. Donc honnêtement, honnêtement, voilà, moi je trouve que ce jeu est une copie. Ils ont juste pris un jeu et ensuite ils l'ont copié. On va essayer celui-ci, qui me rappelle un peu. Est-ce que je vais y arriver ou non? Ah oh, putain! Ah, on a un mur complètement invisible là. Ok, d'accord. Ah ouais, à la place des ballons, on a des hélices d'hélicoptère, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que dans la version NES, moi qui me souviens parfaitement de la version NES, il y avait, quand on éclatait trois ballons, hop, les personnages. Hop là, quand on éclatait un peu les trois ballons, le personnage. Ben, et après, ils se font gober par les poissons après. Bon, après, c'est un très bon jeu. Hein. Par contre, cette version-là a été complètement. Je trouve que cette version est complètement copiée. C'est un peu du copier-coller. J'arrive pas. Oh, ben voilà! Quand on se fait éclater nos trois ballons, hop, on peut aussi perdre la vie. Ah putain. Je trouve qu'il reprend à peu près les bases de Balloon Fight, hein, mine de rien. Eh ben voilà, j'ai perdu. Allez, venez, venez. Au revoir. Mais à la place des ballons, on a des parapluies. Nous, le personnage, on utilise le parapluie au lieu des ballons. Et les autres ennemis, enfin, l'un de nos adversaires a des hélices d'hélicoptère. Je sais pas pourquoi. Après, le maniement est à peu près pareil que Balloon Fight. Donc honnêtement, on peut planer notre personnage avec le ballon. Et là, on éclate les bulles. Mais je trouve que le concept est vraiment. Ça a été repris par Balloon Fight, hein, mais typiquement. Mais même si ça a été. Repris. Hein. Bon, bref, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je crois que la vidéo a duré quand même 8 minutes ou un peu plus de 8 minutes parce que souvenez-vous qu'on a eu une petite coupure donc à mon avis je pense qu'on va durer vers 20 minutes de vidéo. Bref, voilà. Ce jeu est un copier-coller de Balloon Fight. Voilà, je précise que ce jeu a été repris de Balloon Fight. Voilà. C'est pour ça que je vous ai montré ce jeu, parce qu'il a été repris de Balloon Fight sur NES. Mais sauf que les petits ingénieurs français, ils ont juste copié-collé, ils l'ont changé. Ils ont juste repris le jeu original de Nintendo. Ils ont juste modifié certains aspects. Là, on a. Quelques arrière-plans avec mes deux soucoupes Oni, enfin Oniv, enfin Ovnine. Donc là, on a deux soucoupes volantes. Mais honnêtement, sur Balloon Fight, il y avait le fond tout en nocturne et tout, les fonds un peu le fond espace et tout. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de poissons dans l'eau. Donc dans Balloon Fight, il y avait bel et bien des poissons dans l'eau quand on se fait gober. Quand on se fait gober. Donc honnêtement, c'est pas pareil. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la prochaine.
Ciao, ciao.